Ne me mets pas le Cézanne. La CIA donne des pièces à Nette Watapita. So kankwe, oh kankwe, oh. Now for you and me, I don't remain. Kankwe, oh kankwe, oh. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe, oh. Mon amour, we die for ya. Bonjour! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller! Alors les gars, ce matin nous allons faire une vidéo Instagram contrôle ma journée. Vous allez contrôler ma journée d'aujourd'hui les gars. Donc merci pour ceux qui ont demandé cette idée de vidéo dans les commentaires. Je pouvais bien dédicacer cette idée de vidéo, mais sauf que à chaque fois que je dédicace, vous êtes nombreux à revenir dire oui, c'est moi qui avais d'abord donné l'idée et tout et tout et tout. Et moi ça me dérange un peu. Du coup je préfère juste remercier la personne qui a donné et tous ceux qui ont donné l'idée, d'accord les gars. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur mon Instagram là maintenant. Je viens juste de me réveiller et j'ai juste donné les enfants à leur grand-mère. Alors les gars, on va directement commencer avec la vidéo proprement dit. Mais avant, likez, commentez et partagez la vidéo, d'accord les gars? Donc on commence. Alors les gars, qu'est-ce qui va se passer exactement? J'avais fait un programme d'aller faire du sport depuis hier soir. Et du coup, maintenant, ce matin, je voudrais que vous allez choisir ce que je vais faire ce matin, d'accord? Voilà, je prends beaucoup soin de ma ligne. Donc, quand je me réveille le matin, le petit déjeuner, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Et plus particulièrement, ce matin, j'ai le choix entre aller à la piscine nager et aller au parc dans les bois, faire du sport en courant avec des mouvements et tout et tout et tout. Donc du coup, je vais vous donner la possibilité de choisir ce que vous aimerez que je fasse, d'accord les gars? Alors les gars, je viens juste de laisser le story sur Instagram. Comme vous avez remarqué, je vous ai demandé de choisir ce que vous désirez que je fasse ce matin comme sport. Si vous aimerez que j'aille à la piscine ou bien si vous aimerez que je cours dans les bois. Alors les gars, je sécurise carrément mes cheveux quand je dors. D'accord? Il y a des fois où je dors même avec la perruque et tout et tout. Donc mon mari ne me saigne jamais. Je dors même souvent avec la perruque. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui font pareil aussi. Ok, voilà. Allez me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. Mon Instagram c'est Suzanne et Christian. On fera des vidéos comme ça le plus souvent. Si vous aimez vraiment ce principe de vidéo, on le fera de temps à autre. Et pour pouvoir être à l'heure, pour répondre au sondage, il faudrait que vous nous suivez également sur Instagram. Donc les gars, à vous ma frère. Attends. Alors les gars, voilà, on se retrouve pour le verdict final. Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez décidé? Donc voilà, le résultat c'est à 60. Je vais vous mettre une image à l'écran. Vous avez voté à 62% pour nager à la piscine contre 38% pour courir dans les bois. Donc c'est vous qui décidez, on va donc aller nager à la piscine. Mais avant, il faudrait que vous choisissiez vous-même la tenue que je vais mettre, le bikini que je vais mettre pour aller nager. Mais alors, je ne vais pas aller dans les bikinis que j'ai déjà. Je préfère aller dans un supermarché. Je mets les bikinis sur moi. Je vous montre les images. Alors la famille, là, puisque c'est vous qui décidez de ma journée, il faudrait que vous décidez également quel est le vêtement que je vais porter pour aller au supermarché. Et... D'accord. Donc voilà. Vous allez juste me dire quel est-ce que vous aimeriez me voir porter. 5 minutes later. Alors les gars, après sondage fait, vous avez décidé que je mets le vêtement 1. Donc vos désirs sont les ordres pour moi pour cette journée d'aujourd'hui. Donc je vais enfiler directement mon vêtement. Mais pendant que j'enfile mon vêtement, je vais également faire un autre sondage à partir de maintenant. Je vais vous demander si vous désirez que pendant qu'on s'y rende là-bas, que je conduis la voiture ou bien que c'est mon mari qui me conduit. Donc les gars, je lance le sondage et je vous attends. En attendant, je vais m'habiller les gars, donc on se dit juste à tout de suite. Yo! Alors les gars, voilà, voilà le vêtement que vous avez choisi. Voilà le vêtement que vous avez choisi.
Ok, ce qui reste à faire maintenant, c'est que vous décidez si je vais sortir comme ça ou bien si je me maquille un peu. Si vous voyez que le fait pour moi de sortir comme ça, ça va carrément, dites-le moi. D'accord les gars, je lance directement le sondage maintenant et j'attends savoir si je vais me maquiller un peu ou bien si ça ne vaut pas la peine. D'accord les gars, on se dit donc à tout de suite. Alors les gars, vous avez décidé que je conduis et là maintenant mon mari est derrière la caméra. Chérie, dis coucou à la caméra. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas. Ça va aller certainement. On y va. Alors les gars, comme vous remarquez, j'ai le choix entre cet ensemble-ci là, d'accord, et je vais mesurer un autre ensemble. Vous allez me dire quel est-ce que je vais choisir parmi les deux. Ça me va. C'est vrai que à cause de ma poitrine qui est forte là, il y a un peu de... Mais je trouve que ça va, n'est-ce pas les gars? Je trouve que ça va. Si vous pensez que ça va aussi, vous pouvez choisir ce vêtement. Donc je mesure le deuxième, afin qu'on puisse voir lequel est-ce qu'on va choisir. Voilà le premier. J'adore quand j'arrive à la plage ou bien à la mer, il y a les monde et tout, et que je suis bien habillée, je me sens bien dans ma peau. Donc aidez-moi à mieux choisir, d'accord les gars? Je porte directement le second. On y va. Alors les gars, voilà le deuxième vêtement. Sincèrement, je vous prie vraiment de m'aider à choisir parce que moi-même là, j'ai l'embarras de choix, sincèrement. J'ai l'embarras de choix de quel est-ce que je vais choisir. Donc, comme vous avez bien remarqué, je vous laisse encore bien voir le vêtement. Bon les gars, honnêtement, j'attends vos lits. Quel est le vêtement que vous préférez? Le vêtement 1 ou bien le vêtement 2? Je vous attends impatiemment parce que il faudrait que vous choisissiez vite fait afin que je puisse passer à la caisse les gars. Donc on se dit juste à tout de suite. Alors les gars, nous avons encore le choix entre un troisième maillot de bain. Vraiment quand je sortais, j'ai vu celui-ci. Ça m'a séduit et je me suis dit que je mesure et que vous puissiez choisir plutôt entre trois vêtements au lieu de deux. Voilà ce que ça donne les gars. J'attends impatiemment que vous puissiez choisir lequel est-ce que vous désirez le plus. Donc voilà les gars, voilà un autre. Je vous attends impatiemment dans les commentaires. Voilà les gars, n'est-ce pas? Choisi, c'est dans ce pochette là à l'intérieur, car vos choix sont des ordres pour cette journée d'aujourd'hui. C'est vous qui contrôlez ma vie, c'est vous qui contrôlez ce que je vais faire. D'ailleurs même, je vous remercie pour les choix que vous faites vraiment des très très beaux choix. Donc les gars, on va faire maintenant, on va aller, en fait, je vous montre au fur et à mesure, donc à tout de suite. Alors la famille, voilà, de là nous avons profité pour faire plusieurs d'autres choses qu'on avait prévu faire. Et là maintenant, il se fait déjà un peu tard et on a vraiment faim. On n'a pas mangé depuis le matin, bien qu'on n'a pas l'habitude de vraiment déjeuner. Hein. Et là maintenant, on va aller chercher de quoi manger. Comme d'habitude, vous allez choisir ce que je vais manger, moi particulièrement, dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on y va, vous allez choisir. Je vais vous faire la proposition et vous allez choisir ce que je vais manger. Et on se reprendra ensuite, les gars. À tout de suite. A few moments later. Alors les gars, là maintenant, je suis en train de choisir entre ce que je vais manger. Soit vous allez désirer que je mange un KFC ou bien je vais manger un McDonald's. Donc
Je passe, j'ai trop faim, donc il faut que je commande ça. Mais dès que vous choisissez tout bien, les gars. Coucou les gars, voilà, vous avez choisi que je mange du KFC. C'est ce que je mange là maintenant. Donc voilà mon KFC que je suis en train de manger à votre demande, les gars. Donc je vais manger tout gardement mon plat de KFC et on se reprend juste ensuite, les gars. À tout à l'heure. Alors, coucou la famille, voilà, j'ai fini de manger mon KFC, il ne reste que le jus là. Ce que j'allais dire tantôt, c'est que je suis en train de rentrer à la maison. Et en tout temps, je voudrais que vous me dites si de votre part, j'apporte un cadeau à maman, en garde quoi. Donc, si vous le dites, je vais le faire pour vous. Et je dirai à maman que c'est vous qui avez demandé que je lui garde ce KFC là. La même chose que vous avez demandé que je mange, les gars. Donc, je fais le sondage, je vois ce que vous allez dire et on se reprend ensuite, les gars. Alors la famille, voilà, je suis arrivée à KFC, ils ont découvert que j'étais youtubeuse et du coup c'est une grande joie. Ils demandent à faire les photos avec moi, comme vous allez remarquer. Voilà, c'est un réel plaisir, comme je vous dis toujours, qu'en Turquie, on est très accueillant. En Turquie, ils nous prennent vraiment le fait de savoir que je suis youtubeuse, les a aidés, les filles, ils ont voulu faire des photos avec moi. Vous voyez un peu quel point. C'est tellement extraordinaire de voir ça. Et en plus, ils nous ont servi le thé en extra. Je vous montre, les gars, regardez. Ils nous ont servi le thé en extra. Et c'est tout simplement extraordinaire. Normalement, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres pays. Mais d'une part, je me dis que ça doit être les consignes qu'on les laisse en fait. On dit que, ok, ils sont là quand même pour faire notre publicité gratuite. Bien que par moment, on se sent obligé de le faire. On dit donc, ok, donnez-leur un accueil chaleureux et tout et tout. Parce que j'ai été quand même un peu surprise, quoi. Donc, ils ne connaissaient pas ma chaîne par le passé. Mais le simple fait d'apprendre que je suis youtubeuse, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, si je n'avais pas filmé avec une caméra, je suis sûre que vous n'aurez pas cru, n'est-ce pas, les gars? Coucou la famille, voilà, vous avez dit tout à l'heure, oui, je vais faire garde à maman pour un paquet de KFC, donc voilà ça, je vais garder ça à maman de votre part, vous êtes très très gentil, sincèrement, je vais arriver, je vais ouvrir la caméra, maman doit recevoir ça de votre part, elle va dire merci de sa propre bouche, d'accord les gars, donc on prend la route et on se retrouve ensuite à la maison peut-être, à tout à l'heure. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promets toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Qu'est-ce qu'on dit encore là, les gars? Je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Je ne pourrais te fuir, même si tu ne sais pas. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle. Ok les gars, voilà, vous avez décidé que je devais conduire, n'est-ce pas bébé? N'est-ce pas chou? Tu ne parles pas. Parce que je suis concentré, tu vas chanter sur moi. Ah bon? Bon, je recommence encore. Oui. T'aimerais que je te suive. Qu'est-ce qu'on dit encore là? Qu'est-ce qu'on dit encore là? Qu'est-ce qu'on dit encore là? Rappelle-moi même, non, Chou? Si je connais ta chanson. Ok, je vais encore recommencer. J'oublie la chanson, chérie. J'oublie la chanson. Tu veux qu'elle fasse comment? Je me rappelle seulement de la partie où on dit que t'aimerais que je te promets toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Qu'est-ce qu'on dit encore? S'il vous plaît, pour ceux qui connaissent cette chanson, dites-moi de quelle chanson il s'agit dans les commentaires, d'accord les gars? Nous sommes en train de s'arrêter quelque part là pour acheter autre chose avant de rentrer à la maison. Oh, cette journée est très longue. Quand est-ce que je vais aller nager au final, les gars? C'est pas facile, hein? Ok, anyway, on va aller regarder ce dont on est venu regarder, les gars, et on se prend ensuite, d'accord? Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va alors. On va où, Suzanne?
Tu as oublié qu'on est venu acheter quelque chose dans le ici là. Et tu as oublié les règles du jeu. Quoi? Tu allais oublier. Qu'est-ce que j'ai oublié quoi mon père? Suzanne, on s'est promis que chaque fois que je suis derrière la caméra, je dois me faire ta mignonne. Je dois faire quoi? La mignonne. Hey, ouh, s'il te plaît chérie, arrête. Ils vont fermer. Tu sais que je bavarde très peu. Mais si tu sais qu'ils vont fermer, dépêche-toi. Chérie. Le gars, il dit qu'elle va faire ma mignonne. Bon, arrête alors le sac, arrête le sac. Les gars, il faut que je fasse ma mignonne, n'est-ce pas? Yo! Je trouve ça va, non? Ne blague pas avec moi, Suzanne. Quoi? J'ai rien fait, non? Jusqu'à présent, j'attends que tu me fasses ta mignonne. Les gars, il y a trop de gens qui me regardent. J'ai un peu honte. En fait, je ne suis pas, je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Chérie, je vais te faire ça un peu plus tard, s'il te plaît. Il y a une voiture là-bas qui est en train de garer. Si tu t'amuses, je vais attendre, le monsieur va venir et tu vas faire ça devant lui. C'est ici que je me suis collé. Kankweo, kankweo. Mon amour, we die for ya. Kankweo, kankweo. Kumba watano fi swimi for ya. Je fais les pas de danse qui n'ont même pas de sens. Pourquoi après vous vous moquez de moi dans les commentaires, n'est-ce pas? Chérie, s'il te plaît, on peut partir maintenant. S'il te plaît. Tu vas me donner quoi le soir à la maison? Ce que tu connais là. Peut-être te donner un avant-goût déjà. On parle. Hello la famille, voilà, nous sommes rentrés, nous sommes enfin à la maison. Et grâce à vous, maman a eu un gros KFC qu'elle est en train de manger présentement. Donc je vais tourner la caméra là maintenant pour que maman vous dise merci. Maman, tu es en direct là maintenant sur YouTube. Il y a des millions de personnes qui te regardent pour l'instant. Et c'est nos abonnés qui nous suivent sur Instagram qui ont demandé qu'on te garde un KFC, maman. Waouh, je vous remercie beaucoup. Franchement, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors les gars, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, courez vite. Le lien est juste dans la barre d'infos et dans le premier de commenter. Allez nous suivre sur Instagram, d'accord les gars. 1 hour later. Alors les gars, voilà, le moment est venu de nager. Voilà le bikini que vous allez choisir. C'est beau, moi j'adore. Oui, normalement j'étais embarrassée si vous avez vraiment choisi le orange ou bien le rouge, d'accord? Et j'étais obligée de prendre les deux parce que... Oui, c'était nombreux, vous étiez nombreux à dire orange ou rouge. Du coup j'ai été embarrassée au final. Dites-moi dans les commentaires, alors qu'est-ce que vous préférez vraiment entre le rouge et le orange? La tenue 1, vous avez tout vu ça dans la vidéo, d'accord les gars? Donc voilà, comme je vous ai dit toujours, il est important de venir à la piscine belle. Parce que tout le monde vient à la piscine étant habillé en bikini, d'accord les gars? C'est la raison pour laquelle on doit faire du sport, perdre des kilos pour ne pas arriver à la piscine avec les kilos, n'est-ce pas? Regardez comment Trésor est taille, tout le monde ça. Donc les gars, vous avez intérêt de prendre soin de vous, sinon quand les autres mettront du bikini, vous serez juste là, étant fâché, à dire les mauvaises paroles et tout, d'accord les gars? Alors que c'est du travail pour avoir un corps comme ça. Ok les gars, voilà ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre à nager. Ouais, on va nager les gars. Ouais. Mais vous savez que ça c'est déjà le soir, je n'ai pas trop la peau, j'ai beaucoup bataillé aujourd'hui. C'est parce que la journée d'aujourd'hui là, j'ai dit que je devais nager avec vous. Ok, on y va alors. Je sais que l'eau est bonne. Je sais que l'eau est bonne. J'ai l'impression que l'eau doit être humide, les gars. Les gars, Trésor n'est pas gentil. Je ne voulais pas entrer directement dans l'eau, hein.
Mais elle m'a poussé, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, elle m'a poussé dans l'œuf, que c'est normal. Et nous voilà. Ah, l'eau est bonne au final. De l'extérieur, on a l'impression que l'eau est, humide. Bon les gars, c'est parti pour la nage. Let's go back. Les gars, je suis fatiguée. Oh my god. Quel dieu je l'ai. Je n'arrive même plus à tenir mon chapeau sur ma tête. Je vais faire un défi avec Trésor, d'accord? Pendant, on va nager sous l'eau, n'est-ce pas? Si pendant qu'on nage, on voit comment tu montes sur l'eau, tu as perdu. La nage doit se faire sous l'eau. Jusqu'à l'autre côté. Ouais, jusqu'à l'autre côté. C'est parti les gars, alors on y va. Mais du nage qui joue sous l'eau. Tu vas même pas nager sur l'eau. Ok, je te laisse. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce qui était dû à faire. Mon cerveau va encore. 1, 2, 3, c'est parti. Je ne retrouve pas mon chapeau les gars, mais je vais pas m'arrêter là, je vais continuer à l'eau fouiller, d'accord les gars. J'ai retrouvé mon chapeau, je suis trop contente. Tu l'as trouvé avant moi. J'ai trouvé avant Trésor. Vraiment, on a nagé dans l'eau, on est allé dans tous les sens, dans tous les côtés pour essayer de trouver. Ok les gars, voilà, je vais dire qu'on a déjà assez nagé. C'est Trésor qui me fait ça. Trésor, tu veux que je jette sur l'eau? Attends, viens, je te porte, tu vas, viens. Ah bon? Oui, viens, je te porte. Porte-moi alors. Je vais faire ce que Monsieur Christian faisait sur moi quand il m'a pointé sur l'eau. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on-
on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Alors les gars, voilà, c'était tout pour cette vidéo dans laquelle vous avez contrôlé ma journée. C'est vrai que vous avez aussi contrôlé celle de Trésor un tout petit peu. Un tout petit peu, juste comme ça. Ok les gars, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. C'est juste Suzanne et Christian. On va faire plein de vidéos comme ça si vous aimez ce genre de vidéos. Et si vous avez un sujet de vidéo que vous voulez me voir réaliser particulièrement, laissez-moi vos idées de vidéos dans les commentaires. Je vous aime tellement, tellement les gars. Ne cessez pas à commenter comme vous le faites. Je reçois beaucoup d'amour venant de vous et ça me touche énormément les gars. Prenez vos bisous comme ça. Ouais, c'est tout. Likez, commentez, partagez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bye bye.